billets pour gagner les 3 produits Be Well Connect. Un superbe cadeau. Bertrand, il faut bien choisir Moscato ou Dimeco. Pour bien choisir, il faut choisir Dimeco. Allez, voilà, Dimeco, Maryse avec Bertrand. Fais du bien à Bertrand, Laurent. Vincent, Dorian avec Didier. Et BFM TV Direct, s'il vous plaît. Et BFM TV, Maryse et Vanger épée, Vincent Vincent Moscato, si. Bah non, putain. Et je serai impitoyable sur l'exactitude de la réponse et la prononciation à midi et demi aujourd'hui, dans quelle ville se trouvait Emmanuel Macron. Comment? À Ouagadougou. Maryse et Vanger épée. Non, moi je le dis. Non, tu as dit Ouagadougou. Mais je l'ai dit. Alors attends, il a dit Ouagadougou. Ouagadougou. Eh ben, oui, il a dit qu'il serait intraitable. C'est pas bon, Vincent. Il a dit qu'il serait intraitable sur la prononciation. Maryse a la bonne prononciation et la réponse exacte. Il fallait pas se précipiter, c'était au bout de la Mais elle est là-bas, Maryse aussi. En Afrique, c'est ça? Tu dis ça parce que je suis noir. Burkina Faso. Vincent, c'est quoi la ville? Burkina Faso, Ouagadougou. Ah, il sait pas le dire, bien sûr. Je le regarde quand même. Goudou. Non, mais non, Goudou. Il a dit. Oh, il y a une doux de trop. Pour Vincent, c'est sûr que c'est impossible. Je remercie. Ouagadougou. Mais non, c'est l'inverse. Mais là, c'est. Ouaga. Ouaga. Dougou. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit? Ouaga Dougou. C'est humiliant. C'est humiliant. Vincent, ne te laisse pas faire. Tu l'as dit. Je l'avais dit, là. Pierrot. 1-0 pour les tirs. Tu l'as toujours pas dit. Arrête, quoi. Ouaga Dougou. Oh putain. Qui a dit? Je suis heureux et fier. Je n'aurais jamais pensé remporter ce trophée et je le sers fort. Ronaldo. Il a reçu, c'est du foot, une récompense individuelle. Bouffon. Bien joué, Pierre Dorian, élu meilleur joueur de la saison de l'année en Serie A en Italie. Gianluigi Buffon. C'est un prix hommage, pense, hein, parce que bon, il n'a pas été meilleur que notre année. Pour sa carrière. Ouais, voilà. Pour l'ensemble de sa carrière. Service rendu à la Serie A. Patrie. Il est dégoûté, Eric, de ne pas avoir trouvé là. Égalité. Passé à côté de ça complet. Bah oui, c'est ton idole en plus. Bizarre. Qui a dit? Je l'aime beaucoup. Je pense que t'es passé à côté de ça, Eric. Ça a été un retour. Je m'attendais pas à ça. À la Parker. Compétition Parker. Très compliquée. Parker. Non. Surtout, eh ben bizarrement, Noah. Au tremplin. Samir El Saïd. L'ami Chapuis. C'est bon. Mais c'est pareil, vous êtes tous les deux. Non, c'est moi. Moi aussi. Non, j'ai dit l'ami Chapuis en premier. Non, en plus, oui, mais t'avais dit nos conneries au début. Alors tais-toi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi. Et Frédéric Pouillet, Maryse, ce faillot qui me dit, c'est Eric qui l'a dit en premier. J'ai commencé à l'ami. Sauf qu'il avait dit un mauvais truc au départ. Jason, l'ami Chapuis, qui a du mal là. J'ai dit l'ami Rico. J'avais dit Ouagadou. En tremplin. 2-1 pour l'équipe d'Imeco. Il reste 5 minutes et 36 secondes dans ce kick-a-dit du jour, les amis. Un petit kick à parler, vous fermez les yeux. Bon, finalement, monsieur, que s'est-il passé? Il y a eu des mots assez durs. Ça, c'est Landreau. Fabrice Landreau, bonne réponse de Pierre Dorian. L'adjoint de Fabien Galthié, le Toulonnais, qui était présent. Concentré, surtout pas cédé. Maryse, il faut connaître les adjoints au rugby, tu vois. Tu vois, j'attends qu'il pose une question sur les adjoints au foot. Deuxième kick à parler du jour, s'il vous plaît. En fait, il fallait faire quoi? Il fallait accélérer et en faire un petit peu plus encore pour pouvoir, s'imposer. Eh oui, l'ami Chapuis, il débute dans la fonction, il n'est pas mauvais. Pas mauvais dans la fonction. Mignoli. Son club est en haut de tableau. Et son club est en haut de tableau, Landreau, Mickaël Landreau. Bonne réponse. L'entraîneur de Lorient. Chaque fois, il nous l'a fait. Le Fabrice et Mickaël. Il nous l'a fait. C'est là où je vois que tu es plus intelligent d'entre nous parce que tu. Et là, t'es crack, t'es vif. 3-2 pour l'équipe d'Imeco. Ils ont pour l'équipe Moscato, pardon. Il est pas vif, c'est nous qui sommes nuls. Ah ouais, non mais. Ils ont le même nom, ils sont pas dans la même famille. Nous, on joue collectif. Qui a dit BFM TV, on y va. Allez. Nommé pour le prix d'humour politique 2017. Hein. Attention, qui a dit je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n'en ai plus aucun. Solaire. Il a fait de l'humour sur sa loserie en 2017. Vincent, il m'a enlevé son casque, il me dit mec de droite. Je ne l'ai pas trouvé là. Je pensais que c'était pas lui, je pensais que c'était. Benoît Hamon, je pense qu'il va pas être loin du prix d'humour de 2017. 3-3. C'est bon comme van ça, non Vincent? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis tellement hostile au cumul des mandats en politique que j'en ai plus aucun. C'est pas mal, c'est sympa. Super. Égalité. Égalité et 3 minutes 40. C'est pas mal qu'il n'y en ait plus. Ça vous fait pas rire vous. Moscato, Dimeco face à face. Vincent, t'es face à Eric là, hein. Pas mobilisé là. Ouais. Qui a dit j'espère profondément que Yannick va continuer. Goulichelli. Non.
Pouille. Denis Charvet. Non, il a des responsabilités dans le tennis français, mais pas qui concerne pas vraiment l'équipe de France. Forger. Oui, Guy Forger. Oh, patron de Roland Garros et de Bercy. Guy Tou, la Forge. Bon, 4-3 pour l'équipe d'Imeco. C'est ton copain, Guy Forger. Question auditeur, on n'a pas encore fait de question auditeur. Bertrand Didier, un point d'avance pour la team d'Imeco. Et Didier, qui a dit Mitroglou, je ne le vois jamais au premier poteau, on dirait moi à l'époque. Dugarry. Ouais, Christophe Dugarry. Didier. Didier qui égalise. Comment ça, il égalise, oui, il égalise. Deuxième question auditeur. Il reste 2 minutes. Deuxième question auditeur du jour, ce sera la dernière. Les gars, Vincent, c'est auditeur. Ouais. En rugby, quel est le prochain adversaire du 15 de France? Italie, Irlande, Pays de Galles. Irlande, Didier. Italie. Oh, Didier, la tactique de donner tous les adversaires du tournoi. Bien vu. La Did, bien joué. Bien remarqué, il a pas dit Uruguay. Hein. Didier, bien Didier. Bien. Ça progresse. 5-4, la team Moscato reprend. Qui a dit l'avantage. Eh ben oui, nous, c'est Bertrand. 2 minutes et 25 secondes. Qui a dit quand on vient d'en prendre 4, l'idée est de stopper l'hémorragie, de penser à cette animation défensive. Sablé. Non, et mettre de la solidité. Fabre. Non. Alors, son équipe en a pris 4 Dante. Le match d'avant. Martin. Et là, c'est le match nul 0-0 face à la Suède. C'est pas mal. Zlatan, c'est Djakovic. Karim Diacre, oui. Là, Diacre. Corinne Diacre. Là, c'est chaud. Pas Caroline. Ah oui, non, mais là, c'est sûr que ça peut pas être Landreau et Galtier pendant tout le kick. Oui, mais Michael Landreau qui faisait du foot, tu l'as pas trouvé non plus. Corinne Diacre, Vincent voilà. Qui est sélectionneur de l'équipe de France de foot. C'est du foot. Eh ben oui, c'est l'équipe de France. Plus, voilà. Corinne. Égalité. On avait dit pas de sport amateur. Qui a dit? On avait pas de conneries, on a dit. Score, s'il vous plaît, Pierre. Égalité. Comment ça, égalité? On n'est pas devant. Ah ouais, Kikadi. Si, bien sûr, t'es devant. Regarde. À quand le retour de Morgan Parra en bleu? 9, Bernard, Adrien, Adrien, 10, buteur, jeu au pied, Azema, Porte, Simon. Non, quelqu'un qui a marqué l'histoire des bleus, il a battu les Blacks. En 99, il a battu les Blacks. Blacko, Dominique la maison. Il a plus beaucoup de cheveux comme la Vincent. Dort. Richard Dourt. Tu me fais péter le match. Fais-moi encore plus poids. Il a dit ça où, Richard? T'as même pas fait péter un petit Johan Diniz encore. Richard Dourt. Il a dit ça au Café des Sports à Dax. Tu sais quoi, il sera notre invité demain, Richard Dourt. Il a publié ce tweet qui a été repris dans le middle, dans l'équipe, partout. Richard Dourt, il réclame. Alors là, je suis sûr qu'il n'a pas été repris dans l'équipe, je l'aurais vu. Alors dans le middle. Allez, on continue. Tu vois comme tu triches. 6-5 pour la team Moscato. Les tweets, maintenant, il faut 50 secondes. Mais t'as Twitter en plus, Eric. Mais non, j'ai pas Twitter. Bah, t'es au courant de tout ce qui se passe sur Twitter, c'est bizarre. Non, vas-y, perds du temps encore, Eric. En ce moment, quel grand sportif est en rééducation à Doha? Doha. Zlatan. Genou en vrac. Qu'est-ce que c'est ça? Énorme boulette. Lopez. Énorme. Oui, Van Niekerk. Wade Van Niekerk. Putain, Marise, celle-là, elle était pour toi, bravo. Il est à Doha jusqu'au 23 décembre parce qu'il a genou en vrac, vraiment. Ménisque et ligament de match. Il y a une clinique du feu de Dieu là-bas. Oh putain, nous l'a dit. Allez, BFM TV. C'est pas de match, hein? Oui. Ça, je l'ai fait. Il reste 14 secondes. C'est une balle de match sur une question BFM TV, donc question hors sport. Qui a dit? C'est un énorme cri de gueule. Qui a dit? Les magazines du jeudi sont en danger. Christian Barbier? Non. Envoyé spécial. Élise Lucet. Élise Lucet, Pierre Dorian, la balle de match. C'est dans le micro. Pierrot, t'es un monstre, Pierrot. Élise Lucet, le plus intelligent d'envoyé spécial. Allez, c'est gagné pour Didier. Bravo Didier. Les trois produits Bewell Connect, donc le bracelet d'activité, le pèse-personne connecté et le premier électrostimulateur pour la récupération musculaire.